Hello, j'espère que vous allez bien et moi je vais bien et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo relooking comme d'habitude, petit rituel du dimanche. Voilà, petit rituel du dimanche, le petit relooking. Comme d'habitude, vous savez quoi faire pour participer. Hein. Bon, je me répète quand même au cas où il y a des nouvelles personnes sur la chaîne, mais en gros à chaque fois je prends 3 personnes au hasard dans les commentaires. Bien sûr, je privilégie les commentaires qui commentent les looks que j'aurais fait dans la vidéo postée, et je prends toujours 3 personnes sur la dernière vidéo. Voilà, donc si entre temps il y a une nouvelle qui sort, faut tout le temps aller sur la dernière vidéo relooking. Eh bien écoutez, c'est parti pour le premier relooking de Emma Licorne du 78. Voilà, hop, oh non, plus vip, dégoûté. Ah ouais, je comprends tout à fait. Ok, j'ajoute en ami et c'est parti, on va faire le petit look des familles. Hop, ici. Et je vois que t'as un look assez dark style. Oui, je sais, moi par contre, en parlant de moi, effectivement, j'ai toujours le look du challenge de Francisca. Oui, vous inquiétez pas, c'est normal parce que je l'aime bien en fait. Je l'aime bien. Ok, c'est parti pour le look, je ne sais pas vers quoi partir. J'aime bien, attendez, ce pull là il me plaît bien. On va aller voir un petit peu plus loin, mais en attendant, celui-ci me plaît bien. Celui-ci me plaît bien, mais très original. Bon, on repartira sur un look un peu dark si je garde celui-ci. Mais ouais, celui-ci me plaît bien. Avec ça, ça irait bien, je pense. Pour le moment, celui-ci c'est ce qui irait le mieux. Après, une jupe ça passe aussi, bah tiens, une jupe, ça passe bien avec. Ça passe vraiment bien avec au niveau des chaussures. On peut même se permettre des baskets. Mais allez, on va partir sur des talons, un truc un peu classe. Cela aussi, j'aime bien. Ouais, pourquoi pas cela. Ceux-là, ils sont cool. Pour les cheveux, je prends toujours les cheveux avant de faire les accessoires. Après, on est pas parce qu'on est habillé en noir qu'on est obligé de mettre les cheveux noirs. Hein, 15L, hein, arrête d'assortir tout en une couleur. Attendez, je reviens en arrière parce que celui-ci me plaît bien. Ça donne une petite touche de couleur là, parce que ça manquait un petit peu de couleur quand même. Celui-là me plaît bien, cette coupe, mais allez, va pour du violet. On va accessoiriser le tout avec, attention mesdames et messieurs, avec je ne sais pas avec quoi. Honnêtement, je ne sais pas. On va mettre les taches de rousseur, hein. Vous connaissez les bails à force. La 15L, elle adore. La 15L, elle adore, tiens. Au lieu de mettre les créoles, là, on va mettre celui-ci, ça changera un petit peu. C'est vrai que je pense que j'aurais pas dit non à peut-être un petit collier ou à un legging. On va voir peut-être. Non, je crois que j'ai pas vu de legging. Enfin, pas de legging, pardon, j'ai des bêtises, des collants. Si, il y en a. On va mettre des collants. Voilà, pour un petit peu accessoiriser, sinon je trouvais que ça me manquait un petit peu d'accessoires. Donc voici, voilà que voici pour le premier look avec de jolis petits cheveux violets. Et comme d'habitude, 15L est passé par là. Pour la seconde personne, ce sera Sosuke. Alors moi, pendant un moment, je me suis dit que c'était peut-être un garçon. Hein. Je suis désolée, hein, Sosuke. Mais je me suis dit peut-être que c'était un garçon vu le pseudo, parce que ça me fait penser à Sasuke pour les gens qui regardent Naruto. Alors en fait ça se fait, elle s'est pas du tout inspirée de Sasuke pour le pseudo. Enfin bref, on va aller lui faire un look. Alors on va lui créer un petit look. Alors il lui manque des cheveux, je sais pas ce qui s'est passé, mais il lui manque des cheveux. Ok, là pareil, un look assez dark. On va peut-être essayer de faire un look moins dark. Allez, on enlève tout. Voilà. Voilà. Pour le look, ça me plaît bien. Pourquoi pas une robe changée, mais ouais, non. Ce serait trop facile avec... Oh, un gilet jaune. Oh, je suis obligée de faire un look gilet jaune, les gars. Je suis obligée de faire un look gilet jaune. J'ai l'impression qu'elle a rien en dessous alors que j'ai mis le débardeur. Mais genre, est-ce que c'est possible de mettre genre juste le gilet jaune? C'est tellement chelou, juste avec le gilet jaune. Non, on va peut-être pas... On va peut-être pas abuser. Moi, je vais peut-être pas abuser quand même. Attends, on va remettre le gilet jaune, hein. Quand même... On va aller voir si on met quelque chose en dessous ou pas. Et voilà, j'essaie de pas abuser non plus. Hein. Même si ça pourrait être drôle, ça pourrait être rigolo. Là, on dirait aussi la veste dans le film ça avec le clone.
La fameuse le petit fameux impair jaune, je crois que c'est le petit garçon qui porte au début. Enfin, je vous en dis pas plus. Je ne veux pas spoil de film, mais voilà. Enfin, il est dans la bande-annonce, donc je spoil pas grand-chose, mais enfin, vous avez compris. Vous voyez de quoi je parle. Allez, pour le kiff, on met rien, n'en touchez pas. Par contre, si Mr. Planet sera d'accord, on verra bien s'il me laisse faire le look comme ça. Ensuite, pour le bas avec un gilet jaune. Oh mon dieu, elle va m'en vouloir si je fais un look chelou comme ça. Mais bon, ça peut être drôle, ça peut être drôle. Ah, avec le short jeans blanc, ça passe. Ah bah tiens, avec un short grip. Avec ça, ça passe aussi. Mais attendez là, celui-ci, j'ai envie de tester avec ça. On dirait qu'elle est à la plage en fait. Bah attendez, on lui met pas de chaussures. Ah, j'adore cette coupe, elle est trop belle. Mais ça va pas dans le contexte de ce look. Mais c'est une très belle coupe quand même. Mais dans le contexte, ça... Oh là là, ça se voit qu'il est tard au moment où je filme cette vidéo. D'ailleurs, c'est pour ça que je parle pas très très fort. Ça passe. Parce que genre, quand tu... Enfin, dites-moi d'ailleurs en commentaire, lorsque vous allez à la piscine, à la plage, quelle coupe vous mettez. Moi, vu que, voilà, mes cheveux, ils s'en mêlent très facilement, je mets toujours un chignon. En plus, je crois qu'elle aime bien les chignons parce qu'elle a beaucoup de chignons. Donc tiens, on va lui mettre le chignon là. Et niveau accessoire, est-ce que ça passe avec... Non, avec le chignon, ça passe pas. Avec la casquette, bon, on aura essayé. C'est avec le bonnet. Non, non plus. Ça passe pas. Et bien sûr, mettez ça. Ouah, c'est trop chelou. On dirait qu'il y a une inception de cheveux avec cette frange. Non, je peux pas. Ça devrait être interdit par la loi, ce look. Ce look devrait être... J'ai envie de cliquer sur des trucs qui... Non, non. Quinzel, calme-toi. Calme-toi, Quinzel. J'ai envie de mettre des trucs qui n'ont rien à voir avec le look. Par contre, on peut se permettre un petit tatouage là. Même deux, tiens. Même deux, même si on voit un petit peu moins les étoiles. Oh, tiens, ça irait bien. Oh, mais là, les cheveux, ça passe pas en fait. Mon dieu, sans cheveux, c'est trop chelou. Ah, c'est trop chelou sans cheveux. Il faut que je mette des cheveux, mais qui dépassent pas en haut. Donc, il faut que ce soit assez plat au niveau du haut. Et ça, je trouve que ça passe. Sinon, ceux-là, ils passent très bien. Bah tiens, ceux-là, ils passent nickel. Ceux-là, ils passent nickel. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ce deuxième look qui est magnifique? Quinzel est passé par là. Ah, je suis pas la seule, regardez. Il y a Lou aussi qui a mis un petit look gilet jaune. Ok, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai fait? Non! Genre, j'ai pas enregistré le look? Bah si, je l'ai enregistré. Est-ce que je peux le vite... Est-ce que... Oh merde! Comment je fais? Faut que je recommence tout? Sérieusement, faut que je recommence tout? Bon, c'est pas comme si c'était compliqué à recommencer, heureusement, mais... Attends, le tatouage là, j'avais remis. Oh mon dieu, je suis choquée. T'es la fille, elle est choquée trop pour rien. Et comme accessoire, on avait mis le chapeau jaune. Et attendez, les étoiles jaunes. Voilà. En mettre, tiens, les cœurs orange. Ça changera un petit peu de ce qu'elle avait avant. Et le petit chapeau. Voilà. Dites-moi si j'ai refait le même look ou pas, s'il manque quelque chose, mais moi je pense que c'est bon. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué sur un autre look et passé par là. J'ai cliqué, je crois, sur un autre look. Et la troisième personne pour ce relooking, c'est la belle du 678604. Wally Walou. On envoie le petit auto comme d'habitude, la petite invitation. Et on va lui faire un look, donc à créer un nouveau look. Donc actuellement, un look... je dirais... Non, j'allais dire casual, mais absolument pas. Ça fait assez classe, sympa. Très tatoué, hein. Très le tatouage. C'est très le tatouage, tout ça. Hop, et c'est parfait. Mais en fait, pourquoi je fais ça, en fait? Je peux... Ah non, c'est reset, genre remettre tout. D'accord, moi je pensais que c'était reset, genre enlever tout, justement, et pas remettre tout. Enfin bon, c'est pas grave. J'avais envie de tester si c'était un raccourci ou pas.
Donc, pour la tenue... Non, on va pas abuser, on va pas remettre le gilet jaune. Hein. On va pas le remettre. Ça, c'est sympa. On dirait un haut de garçon, en fait. Ah. On n'a pas masse à faire, mais on va essayer de faire un truc bien quand même. Avec ça, c'est cool, mais ça, je pense que c'était avec l'autre haut. Mais là, ça passe aussi. Là, je trouve que ça passe quand même avec ce pantalon-là en accessoire. Heureusement qu'elle a des chaussures entre guillemets de sport quand même, qui va bien avec la tenue. Pour les cheveux, ceux-là, j'aime bien. Ceux-là, j'aime beaucoup ses cheveux. Et ici, on va mettre... Ouais, bon, on voit pas les sparadraps, mais si, c'est pas grave. Et tiens, des écouteurs. Comme ça, elle fait du sport avec sa musique. Mais du coup, on va enlever quand même les lunettes. Ça fait pas trop aller faire du sport avec des lunettes de soleil. C'est un peu chelou. Je sais pas si je suis toute seule à penser ça, mais moi, je trouve ça assez chelou de faire du sport avec des lunettes de soleil. Et merci beaucoup à toi, je suis moi, pour la salutation. Merci énormément, vous avez entendu Discord. Oui, vous avez entendu Discord. I'm sorry. Et merci pour la salute. Et merci, je suis moi, encore pour la salutation. Merci beaucoup. Merci. Parce qu'un sac, ça peut être cool, hein. Pour faire du sport, un sac, c'est... Et pour une fois, je peux mettre un sac, ça va bien avec le look que je fais. Pourquoi pas en profiter. Ensuite, nous avons... Bah, écoutez, ça s'arrête là, mais je trouve que le look, il est sympa. Un petit look sportif, j'en fais pas forcément souvent des looks sportifs. Là, pour le coup, j'aime pas mal le look sportif. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que je l'ai bien réussi ou pas, ce look? Eh bien, écoutez, Kinzel est passée par là, voilà. Et bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Ciao ciao !